Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool au Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty World War 2 sur la nouvelle map The Darkest Shore. Donc c'est un glitch qui va vous permettre de sortir de la map. Donc ce ne sera pas un glitch qui va vous permettre de faire des XP en illimité, tout simplement parce que la manche des mouches pose problème. Sinon la manche des zombies normales ne pose pas de problème, c'est vraiment la manche des mouches. Les mouches ne spawnent pas à cet endroit là, ce qui est vraiment dommage. Mais c'est un out of map qui est assez sympa et voilà, de toute façon j'en avais déjà présenté un au préalable sur ma chaîne YouTube, mais celui-là c'est une autre façon d'y accéder. Donc vous pouvez y accéder en solo, en multi, mais en solo ça fonctionne aussi. Donc il vous faudra Quick Revive ou alors des auto-réanimations. Donc le glitch se passe ici, donc près du pack-a-punch. Vous vous mettez ici contre la falaise, vous avancez, vous vous abaissez, vous avancez, vous abaissez, et regardez, à un moment je vais plus pouvoir me relever, donc ici je peux plus me relever. Là, vous allez devoir vous tuer. À ce moment-là, soit votre ami va vous réanimer, ou soit vous vous réanimez avec votre auto-réanimation ou votre quick revive. Donc voilà, de là, vous allez arriver ici dans cette pièce. Donc voilà, c'est un out of map. Vous pouvez voir que je suis bien invincible contre les zombies. Les zombies viennent bien tous sur moi. Vous êtes vraiment invincible contre les zombies bat, etc. Donc si vous voulez faire ça, ce glitch-là, faire des XP en illimité, il n'y a pas de problème. Mais il faudra retourner sur la map pour faire la manche des zombies mouches, obligatoirement. Donc voilà, c'est à moitié XP et round illimité. C'est juste que le round des mouches, les mouches ne viennent pas ici, les zombies mouches ne viennent pas ici, c'est ce qui est vraiment dommage. Mais bon, vous voyez que je suis invincible contre les zombies normales, les zombies bat, les zombies mushlers. Je pense que même les mushlers, ils viennent pas jusqu'ici non plus. Même les zombies bombes, je pense qu'ils viennent pas non plus, mais de toute façon, les zombies bombes, ils explosent pas quand vous êtes en out of. Donc voilà, alors de là, vous pouvez aller, regardez, ça c'est un zombie bat, hein, vous voyez bien qu'il va rien me faire du tout. Voilà, et ici, c'est pareil, vous pouvez aller dans cette pièce là. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, vous voyez ici, il y a juste le pack-a-punch juste en dessous. Ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement sauter dans le pack-a-punch. Je pense que s'il est monté, je ne sais pas si ça fonctionnera, comme la plateforme sera en haut. Mais c'est possible que ça marche, il faudrait essayer. Donc ensuite, vous pouvez descendre, vous laisser tomber. Voilà, comme ça. Ne tombez là, pas là, parce que sinon, vous tombez complètement hors de la map. Et vous serez respawn au middle, au spawn. Voilà. Donc juste un autre truc que je voudrais vous montrer. Je voulais juste vous montrer aussi, avec ce out of map, je voulais vous montrer le zipline. Donc le zipline qui se trouve tout là-bas au fond, vous voyez, on le voit déjà la silhouette là-bas. Donc voilà, là-bas il y a un zipline qui se cache. Et en fait ce zipline, c'est tout simplement le zipline qu'on voit à la fin de la game quand on veut s'évader à la cinématique finale, on s'évade de l'île. Et c'est sur ce zipline qu'on fonce. Donc voilà. Alors si vous traversez le mur, vous tombez dans le vide, hein, parce que ce n'est pas modélisé. Donc je vais aller jusqu'au bout voir ce qui s'y cache. Donc voilà, hein, vous voyez bien que c'est le zipline. Ok. Donc là-bas, il y en a encore un deuxième en plus, hein, on le voit. On voit la silhouette un peu plus loin, on voit le deuxième. Donc voilà, pour ce nouvel out of map, donc on peut voir qu'il y a un deuxième zipline là-haut, donc il y a des navires ici. Donc voilà, c'est tout pour ce deuxième zipline. Je vais vous montrer que quand je tombe, je retombe dans la map. Ah non, en fait, ouais, là j'ai été trop loin. Là j'ai été trop loin, donc faites pas comme moi, encore que je vous le montre en vidéo. Quand vous allez trop loin, vous allez tomber à l'infini et vous ne serez rien faire, hein, parce que vous ne respawnerez pas. Même si je me tue, ça changera rien. Je ne vais pas respawn du tout. Ah, et carrément, ça met fin à la partie. Donc ça, j'étais même pas au courant. Ah, mais c'est parce que je me suis suicidé, en fait. C'est pour ça que ça a mis fin à la partie. Donc voilà, j'espère que cette out of map vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao! Peace. Yummy, bruh.